C'est une vaste manipulation financière sur les dividendes que vient de révéler un consortium de plusieurs journaux européens. Venu d'Allemagne, le scandale baptisé Cum-Ex met en cause un gang de traders, de banquiers et d'avocats pour frauder le fisc. Nous avons fait des recherches et découvert une quantité incroyable de dommages financiers. Il s'agit au total de 55,2 milliards d'euros qui ont été captés en Europe par Cum-Ex et par d'autres transactions similaires. C'est certainement l'un des plus gros braquages fiscaux de l'histoire de l'Europe. Ce scandale n'a rien à voir avec les affaires d'évasion fiscale. Il s'agit ici d'une supercherie boursière menée dans une dizaine de pays européens qui a permis d'obtenir des remboursements d'impôts sur des impôts qui n'ont jamais été payés. Rien qu'en France, le préjudice pour l'État frôlerait les 17 milliards d'euros. Un des témoins clés de l'enquête, un ancien banquier, témoigne le visage grimé. Tous ceux qui ont consenti des prêts, qui ont agi comme négociateurs en bourse, tous les investisseurs qui ont fourni de l'argent savaient au fond ce qui se passait. Ils tiraient leurs bénéfices sur le dos des services fiscaux.